Ma gloire et Florence vivent ensemble depuis 12 ans maintenant. Ils ont déjà donné naissance à 2 enfants. J'ai été désigné par ma famille pour être le porte-parole de ma gloire, notre fils qui souhaite obtenir la main de votre fille Florence. Ma gloire aime Florence et son vœu le plus ardent est qu'elle devienne sa femme. Papa, je ne veux plus de Florence. Ça veut dire quoi? Tu ne veux plus de ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe entre elle et moi. Dis-moi seulement comment divorcer d'un mariage coutumier. Non, mais attends. Quand tu t'es marié, tu m'as demandé de te réunir toute la famille, de se cotiser pour t'accompagner chez tes beaux-parents. Aujourd'hui, ça ne va pas et tu as le culot de me dire que ça ne me regarde pas. Ma gloire, un divorce coutumier, c'est presque plus compliqué qu'un mariage coutumier. Je veux bien comprendre que tu veuilles garder ça entre ta femme et toi, mais il faudrait que tu m'expliques le problème, pour que je puisse t'épauler. Parce que tiens-toi bien, il va falloir de nouveau se réunir, de nouveau se cotiser, et de nouveau aller chez tes beaux-parents. Florence, ouvre, s'il te plaît. Véronique, demande-lui quel est son problème.
Flo, tu vas pas rester enfermé toute ta vie. Ouvre, s'il te plaît. Mais demande-lui qu'est-ce qui se passe avec son mari, bon sang. Depuis qu'il l'a ramené, ça fait des heures. Elle reste enfermée dans cette fichue chambre. Ça nous sert à quoi que tu lui parles comme ça à la fin? JB, laisse-moi faire. Oui, mais c'est pas comme ça que tu la feras sortir. Flo, ouvre, c'est maman. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Tu as vu à quelle heure on mange? Tu la gâtes trop, ta fille. C'est normal que son mari en ait marre. Tu connais même pas quel est leur problème. En tout cas, si ma gloire veut divorcer, je ne prendrai pas la part de ta fille. Je lui ai déjà dit et redit que dans un mariage, il fallait faire des compromis. Mais comme tu l'as pourri et gâté, elle en a toujours fait qu'à sa tête. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Non, non, non. Cette fois-ci, tu ne me feras pas porter le chapeau. Je vous avais bien dit à tous que ce Magloire n'était peut-être pas le mari qu'il fallait à ma fille. Mais non, toi et tes parents, vous étiez tellement pressés de manger la dot que vous êtes dépêchés de conclure ce mariage. Comme si tu n'avais pas eu ta part, toi. Telle mère, telle fille. L'envie vient de faire escale chez moi pour prendre tes nouvelles. Dans ses mains, elle porte son cœur qui la bat à chaque pensée. Si tu peux, donne-lui. Oui. Tu veux pas y mettre un peu du tien, s'il te plaît? Meg, je suis fatiguée. Ces nuits n'ont plus de caresses chez elle. Elle croit qu'elle vive chez toi. Si tu peux, donne une nuit. Meg, je te l'ai déjà dit, je suis fatiguée. Pour voir ton château, ton reste. Allez, ma puce, laisse-moi te convaincre. Tu sais que je sais comment te donner envie. Sans qu'elle nuise à ta devise, elle te donne une nuit à Outurungusa. Non, manifestement, tu sais plus comment faire. Quand l'envie se lève, le silence de ton sourire écrase ses premiers. C'est pire que faire des caresses à un cadavre. Dis-moi,
Tu vas m'ignorer comme ça pendant longtemps? Parce que ça fait un moment déjà, là. Oh, tu peux parler. Pardon? Tu as commencé à me repousser bien avant que je me mette au diapason. Quoi? Si tu veux vraiment parler, ne fais pas semblant de rien comprendre, ok? Moi, je te repoussais? Arrête, Flo. Depuis qu'on est ensemble, j'ai toujours été le premier à avoir des gestes tendres envers toi. Même quand c'est toi qui en avais envie la première. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Depuis bientôt 6 mois, dès que je te touche, ou tu me repousses, ou tu restes de marbre. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Dis-moi franchement ce qui ne va pas. 2 ans, ma gloire! Pendant 2 ans, j'ai vécu comme ça. Tu étais le premier à me repousser. Et tu ne m'as jamais dit pourquoi. Jamais! Mais tu sais pourquoi, Flo? C'est quand j'ai eu ma promotion. Ça faisait beaucoup de boulot et beaucoup de stress tout d'un coup. En plus, on venait de se marier. Entre le boulot et toute cette pression familiale à gérer des deux côtés. Et puis le décès de ma mère l'année dernière. Au bout d'un moment, j'avais simplement une sorte de fatigue générale à chaque fois que j'allais me coucher. Flo, pourquoi est-ce que tu es tout le temps triste comme ça depuis un moment? Je sais que tu m'as trompé, Mac. Je sais que ça a duré près d'un an. Et je sais aussi qui c'était. Puisque je vous ai vu quand vous jouez les amoureux dans les rues de Libreville. Est-ce que tu imagines à quel point j'ai été humiliée? Tout le monde le savait, Mac, tout le monde. Ce n'était qu'une aventure, Flo. Je te jure que ce n'était rien de plus. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Peut-être le goût de l'interdit. Flo, je t'assure que ce n'était qu'un long moment d'égarement. Je ne sais même pas pourquoi ni comment j'ai pu te faire ça. Mais je sais que je n'aurais pas dû. Tu sais que tu n'aurais pas dû. Alors pourquoi tu n'as pas réfléchi à ce que tu faisais? Pourquoi? Je te demande pardon, Flo. Tu es la mère de mes enfants. Et je prends très au sérieux l'engagement que nous avons pris devant nos deux familles. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu me connais, Mac. Tu pouvais prédire ma réaction si jamais je découvrais cette sordide histoire. Non, Flo. Tu me connais, Mac. Je t'en prie, non. Tu me connais. Arrête de répéter ça et dis-moi ce que tu as fait. Je me suis vengée, voilà ce que j'ai fait. Je t'ai trompé avec Mesmer, mon collègue de boulot. Merde, Florence! Pourquoi t'as fait ça? En plus, avec ce con! Je voyais bien qu'il te tournait autour, ce connard. Merde, Florence. Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Je me suis vengée, ma gloire. C'est aussi simple que ça. Tu m'as humilié. Alors je fais pas. Et pour ça, tu avais besoin de te taper le premier salaud venu. Merde, Florence. Je pensais que tu avais beaucoup plus de classe que ça. Va te foutre, ma gloire. La pétasse que tu te tapais en dit long sur ta classe. Seulement une nuit. Sans qu'elle nuise.
à ta devise. Elle te donne une nuit autour en douce. Bon. Arrêtons de nous dire des méchancetés parce que ça ne nous avance à rien. Si tu savais que je te trompais, pourquoi tu ne m'en as pas d'abord parlé avant que j'étais dans les bras d'un autre? J'étais en colère, ma. La paresse de ton regard. Tu m'as blessé. Et tu as brisé mon cœur. Tu me connais, Meg. Tu m'as forcé à le faire. Parce que tu me connais. Tu m'as forcé à te faire ça. Qui vit depuis des mois dans ma belle maison. Je retiens l'envie en chantant ce doux nouveau refrain. Si tu veux, prends ma vie. Pourtant c'est ton fort en détresse. Prends ma vie. Maintenant je suis enceinte de lui. Pour voir mon château dans ton rêve. Que je nuise à ta devise, je te donne ma vie, bande wawoke. Bande wawoke. Bande wawoke. C'est celle-là. Florence, veux-tu épouser cet homme? Tu es sûr? Parce qu'il faut que tu sois consciente qu'il n'est peut-être pas parfait. Il faut que tu saches qu'après votre mariage, tu lui découvres plein de défauts. Comme on dit chez nous, tu aimes un chien, tu aimes aussi ses puces. Alors je te repose la même question. Veux-tu épouser cet homme? Oui.
nous chercher à midi comme d'habitude? Non, ce sera moi. Papa, je vous ai entendu hier soir. C'est fini entre toi et maman. J'avais pourquoi tu dis ça? Allez, dépêchez-vous, vous êtes déjà très très en retard. Viens Serge, on y va. Oui, papa? Alors, fils, est-ce que la nuit t'a porté conseil? Non. Je vais rester sur mes positions. Est-ce que tu vas enfin me dire quel est le problème avec ta femme? Non, pas maintenant. C'est bien ce que je pensais. J'ai convoqué une réunion de famille ce soir à 21h chez tes beaux-parents, avec ton oncle. Ok, on en reparle donc ce soir. Ok, bonne journée. Au revoir. Ma chérie, mange un peu pour prendre des forces. Flo, qu'est-ce qui ne va pas avec ma gloire? Ton beau-père vient de convoquer une réunion de famille. Maman, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je croyais pourtant qu'on s'aimait, maman. Non, ne te mets pas dans des états pareils. Sache qu'un mariage est aussi fait de blessures dont il faut savoir se remettre. Non, maman, non. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Je ne crois pas que notre couple arrivera à se remettre de cette blessure-là, maman. Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma gloire? Il a encore fait des siennes, hein? Oh, maman! C'est pas grave, ça ira. Mange un peu pour me faire plaisir. Alphonse et moi avons convoqué cette réunion de famille afin de régler les problèmes de couple de Magloire et Florence. Hier soir, Magloire m'a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à son union avec Florence. Puisque nos deux familles s'étaient réunies pour l'union de nos enfants, il va de soi que nous nous concertions de nouveau pour leur séparation. Magloire, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Hein, qu'est-ce qui se passe avec Florence? Je m'excuse, papa JB, mais je considère que les raisons ne concernent que Florence et moi. Non, Magloire. Un mariage ne se passe jamais seulement entre deux personnes. C'est un mariage qui célèbre l'union de deux familles. Mais là, il s'agit de notre divorce. Et je ne vois pas en quoi cela concerne toujours nos deux familles. Bien sûr que si. Si Florence et toi refusez de nous dire ce qui ne va pas, comment voulez-vous qu'on vous aide à résoudre votre problème? Il faut bien que l'un d'entre vous se décide à dire tout haut ce qui ne va pas, bon sang. En tout cas, si vous voulez qu'on vous rembourse votre dot, sans savoir pourquoi, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais qui parle de rembourser la dot? Si nous sommes là maintenant, mais c'est bien pour éviter cela. Pourtant, Didier a dit que Magloire voulait divorcer. Mais Mathias, on ne peut pas prononcer un divorce sans en connaître les raisons. Est-ce que quelqu'un ici peut m'écouter? Bon sang de bonsoir. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Non, non, non et non! Magloire, pourquoi est-ce que tu te braques autant? Explique-nous. Mon fils, regarde dans quel état est Florence. Regarde comment tu es. Je ne crois pas que vous pensiez vous séparer comme ça le jour de votre mariage. Mais enfin, je vous l'ai déjà dit, je veux divorcer, un point, c'est tout. Mais nom d'un chien, tu veux m'écouter, oui? Arrête de jouer au gamin capricieux qui ne veut en faire qu'à sa tête. Un coup tu veux te marier, un coup tu veux divorcer, et tu veux que tout le monde te dise amen, alors que tu ne prends que des décisions éphémères. Je n'en ai strictement rien à foutre que cette histoire se passe entre ta femme et toi. J'exige de savoir ce qui ne va pas maintenant.
Magloire, comme promis, nous sommes venus tous ensemble te remettre la femme que tu as choisie hier. Regarde-la bien. Elle est en bonne santé, sans écorchure, ni blessure, ni cicatrice. Elle est intacte. Et j'espère pouvoir la retrouver dans cet état si jamais je vais revenir la chercher. On est d'accord? On est parfaitement d'accord, oncle Mathias. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à venir la chercher. Alors, je te fais confiance. Florence, je te remets à l'homme que tu as choisi. Merci, tonton. Magloire, ta femme t'attend. La semaine prochaine. Papa, j'ai fini. Est-ce que je peux avoir mon cadeau maintenant? Ton cadeau ne devrait plus tarder? Joyeux anniversaire, Sergio. Maman! Je savais que tu n'avais pas oublié mon anniversaire. C'est bon, maman. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, mes chéris? Maman, tu es tôt tout ce temps. Allez vous préparer, les enfants. Gervais? Tu es ton petit frère? Oui, papa. Viens, c'est là. Merci de m'avoir téléphoné. Pour rien au monde, je t'aurais laissé rater les 7 ans de ton fils. Tu restes la seule maman qu'il aura jamais. Tu veux que je t'aide? Non. Merci.
Flo? Viens t'asseoir, s'il te plaît. Je te sers un café? Non, c'est pas bon pour mon stress. T'inquiète, c'est du déca. Merci. Tu aimes? Oui, mais c'est un peu trop chaud. Vas-y, doucement. Tu m'habilles comme ça, c'est pas comme si on allait à la messe. Papa a dit qu'il fallait qu'on porte aujourd'hui. Allez, dépêche-toi. C'est d'une me pique les fesses. Et comment va ta grossesse? Je me fais avorter. Pardon? Ça va à l'encontre de tes principes, tu ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme toi-même tu l'as dit, Mesmer est un abruti. Et je refuse de lui dire que j'attends un enfant de lui. Tout comme je refuse que cet enfant grandisse sans père. Écoute, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne veux pas que la vie de ce monde soit un calvaire du début jusqu'à la fin. Tu me manques, tu sais. Ah bon? Oui. Tu as été ma meilleure amie plus longtemps que tu n'as été ma femme. Je sais. Je sais, Mac. Nous sommes les meilleurs amis et les meilleurs amants du monde. Comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas et je ne comprends toujours pas, Mac. On n'aurait jamais dû se marier comme ça. Ben dis donc. Oui, je veux dire, on n'aurait jamais dû se marier à la coutume. On voulait juste poser un acte symbolique devant nos deux familles. Toi comme moi, ne comprenant plus rien à ces traditions. Enfin, c'est en nous, mais ce n'est vraiment plus nous. Je te suis pas très bien. Oui, Flo, quand je t'ai épousé à la coutume, mm-hmm. C'est ta famille que j'ai épousée. Je n'ai rien contre ta famille, mais ce n'est pas elle que je voulais épouser. C'est pour ça que j'ai essayé de divorcer. Ce n'était pas tant de toi que je voulais me séparer. Je voulais divorcer de ta famille et aussi de la mienne. Je ne veux plus avoir à rendre compte à qui que ce soit en ce qui concerne mon couple. Personne n'a à savoir où et comment je t'ai trompé ou pourquoi tu m'as trompé. Ce n'était peut-être pas le mariage qu'il nous fallait. C'est exactement ce que je me suis dit. Et si on ne s'était pas marié comme ça, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas te perdre. Je t'empêcherais d'avorter. Et cet enfant, je l'aimerais comme le mien. Tu vas quelque part? Oui. Je déjeune avec une très bonne amie. Le jour de l'anniversaire de ton fils? Oui. Pourquoi il faut attendre? Je vais avec maman. Chut, papa d'attendre au signal. Quel signal? J'ai mal aux fesses. Ça y est, il a ajusté le col de sa veste. Tiens. Flo, ton film préféré, c'est toujours Pretty Woman? Oui, tu sais que j'adore les films américains. Un peu trop, mon goût. Tu es prêt? Oui, papa. Flo, j'ai voulu divorcer de nos deux familles. Et j'ai réalisé que c'était quelque chose d'impossible à faire si je voulais te garder. Me garder? Oui, laisse-moi finir. Je ne voulais pas que tu épouses ma famille. Et je ne voulais pas épouser la tienne non plus. Et comme je ne peux plus divorcer d'eux, c'est donc toi seul que je veux épouser. Et puisqu'il faut le faire à l'américaine, Gervais,
Flo, je ne te demande plus d'épouser toute ma famille. Je te demande juste de m'épouser moi. Encore une fois. Et cette fois-ci de manière officielle. Est-ce que ça veut dire oui? Parce que je dois te dire que mes genoux ne tiendront plus longtemps. Oui, ça veut dire oui. J'ai juré de ne pas partager. J'ai juré de vivre avec toi, bébé. On ne me laisse pas. J'ai juré de vivre avec toi. J'ai juré de ne pas partager. J'ai juré de vivre avec toi, bébé. J'ai juré de vivre avec toi. J'ai juré de ne pas te partager. J'ai juré de vivre avec toi, bébé. Tu me laisses pas. Aime d'un temps, tu me fais du rêve. Vie d'enfer, même au paradis. Tous les mots que je lui dédie, c'est ma vie. Un peu plus, elle, je me suis vu dans ses yeux. Et je suis cravé, l'amour pour. Et tous les jours, même si elle s'en va pour me laisser tomber, je serai gravé pour l'éternité. J'ai juré de vivre avec toi. J'ai juré de ne pas partager. J'ai juré de vivre avec toi, bébé. On ne me laisse pas. J'ai juré de vivre avec toi. J'ai juré de ne pas partager. J'ai juré de vivre avec toi, bébé. Tu me laisses pas. Toi, bébé, tu me laisses pas.